Alors, lors de la tempête du 26 décembre 1999, les menuiseries sur jardin, comme d'autres éléments du château de Versailles, ont été durement éprouvées. Et nous avons donc décidé, à la suite de cet événement, de lancer un vaste chantier de restauration sur l'ensemble de ces menuiseries, c'est-à-dire 414 baies, qui représentaient à peu près 15 000 volumes de vitrage. Donc, c'est un chantier d'une très grande ampleur, pour lequel nous voulions concilier à la fois des exigences modernes, comme la sécurité, l'étanchéité, mais également garder l'aspect ancien, puisque nous sommes au château de Versailles, dans un des éléments majeurs du patrimoine national et mondial, et que nous voulions conserver cette image, d'autant que nous avons des vitrages et des menuiseries qui sont, pour certains, encore ceux posés sous Louis XIV ou au XVIIIe siècle. Et c'est là où les vitrages de Saint-Just nous ont été précieux, parce qu'à travers des complexes verriers ou à travers des volumes traditionnels, nous avons pu retrouver exactement l'aspect ancien de ces vitrages soufflés, qui donnent une richesse de reflets absolument inégalable, à la fois à l'extérieur, quand le soleil joue sur cette façade, c'est absolument magnifique, et à la fois à l'intérieur, la façon dont le soleil joue sur les objets, meubles et autres. Et donc c'est pour nous quelque chose de très précieux et nous sommes évidemment très satisfaits du résultat. Ce type de concept glass design, les vitrages de Saint-Gobain, est là pour satisfaire l'ensemble de notre clientèle de façon à leur permettre d'avoir un riche panel de produits à choisir en termes de couleurs, de choix, de textures, de façon à ce qu'ils apportent un maximum d'offres à leur clientèle. Ça part par la richesse du réseau Saint-Gobain Vitrage, par les biais de nos filiales qui eux aussi se permettent de venir voir dans notre établissement le choix de couleurs, dire à leurs clients de venir de façon qu'ils choisissent parmi nos 242 références de la verrerie de Saint-Just que nous avons ici. Fusion arrive dans le feeder, c'est le canal qui permet d'amener le verre à la machine. Nous introduisons effectivement un colorant. Bon, ce colorant est introduit de façon aléatoire. Arriver en finale à ce que chaque goutte de verre, chaque paraison, ait un dosage de façon à obtenir l'objectif fixé par le client, chaque flacon unique.